Hey, comment ça va tout le monde sur le campus de la Solcia Academy? Vous allez bien? Ça va tout le monde? Alright, allez rentrer. Toujours de l'eau, cet homme est pur et sain. Bien sûr, de la bonne eau. Dégueulasse. Carrefour, les aromatisés, intensément pétillantes, saveur agrumes, sans sucre, sans calories. Boisson à l'eau minérale naturelle, avec adjonction. Allez le caler celui-là, hein. T'es mal à bête de phrase. De gaz geck carbonique aromatisé agrumes. Cette bouteille contient 5 portions de 200 ml. 5 fois 200 ml égale 1 litre. Ouais, ça me paraît pas déconnant. Ouais. Bravo, bravo Carrefour, merci. Ouais, je sais pas, je teste ça de temps en temps. C'est juste pour pas boire la même eau tout le temps, quoi. Il faut changer d'eau, en fait. Remember it. C'est intéressant de jouer ici, tiens. Ah, ça, je l'ai mis. Ils sont en train d'investir là-bas. Bon, bah, tout se passe bien, j'ai envie de dire. Hein. Ok, j'ai rien dit. Cage really lit. Sorry bro, c'est un truc qui est pas trop mauvais à faire, hein. Si vous avez pas trop envie de vous prendre la tête là. Hein. Vous trouvez qu'ils ont pris l'SKS, ils ont pris la CCTV, ils arrivent au niveau de l'office, ils prennent l'office, vous montez dans l'SK main là, tranquille quoi, en regardant si les trappes sont ouvertes, machin, s'il y a des possibilités de rota, s'il y a du monde dans le custom. Et après tu viens pusher, et là j'avais même pas besoin d'ouvrir Manning au final quoi. Parce que lui il a la bombe, donc il peut aller planter derrière le truc, et toi tu coupes toutes les rotas. Office. Last one is literally one tap. He just went CC. Yeah, yeah. He's running around. He's going flank. Or watching bomb. You can grab bomb. I think he's going on flank. No, still CC. I don't know. You're nice. Fucking amazing. There's another one in tellers. One's by metal stairs. Dead. C'est horrible ce laser là. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis vraiment le roi des cons. Concrètement, le laser ça sert à quoi? Oublie, enlève-le partout. Il est con comme une tulipe lui ou... Y'a le décal là-dessus, elle. Nope. Non, non, what on top bro. Putain, je suis con, juste à la ligne que je crée quoi. Vous en pensez quoi de Jeff Bezos et d'Elon Musk? Non, Elon Musk. Genre quand on vous dit Elon Musk, c'est quoi le premier mot qui vous vient en tête? Arnaqueur, waouh, fusée, opportuniste, PayPal, visionnaire, génie, patience, futuriste, génie. Génie quand même. Moi ouais, j'aurais pas mis génie quand même, mais bon. Mais PayPal avant tout. Ouais, j'avoue. Mais pour le décrire, tu vas pas mettre PayPal pour le décrire, tu vois. Bezos donne plus l'impression d'être uniquement tourné vers le profit, tandis que Musk semble vraiment avoir une idée d'innovation.
Si on part du principe que l'humanité va droit dans le mur, est-ce qu'on essaie de faire en sorte d'aider notre prochain pour ralentir l'arrivée du mur, ou alors est-ce qu'on y va à 200 km/h? J'ai l'impression que Elon Musk est dans l'option numéro 1 et que Jeff Bezos est en mode de foutu pour foutu, autant le faire en Ferrari quoi. Hi guys! Oh, you have a uniform of gendarmerie! Gendarmerie nationale! Can you say vos papiers s'il vous plaît? Where are they? On the map. Bruh. Is it in the main stairs? Yeah. 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 Oh yeah. 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 Okay, that was too much. That was inappropriate. Go 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 mango mango go mango go mango go. It's okay. We can go meeting. Meeting is way better. Why meeting? Oh, this is 4. Are all you guys Russians? I mean, I'm French. They're yeah. From the third world, called Quebec. Yeah. What? Ils sont pas très bons. Qu'est-ce qu'il fout? Je vous ferai, regardez, je vais vous faire un petit truc. Il va pousser devant moi, lui. C'est non. Pas du tout. Y'en avait un dans mon cul. One behind, one armory. The last one is armory. Le dernier était armure. Armory. Yep, ça c'est un 4. Yeah, there. No, they don't have it. They can't open. No, you're too fat. Amazing, GG! T'as un projet d'un autre tatou? Ah, ça pourrait être une bonne idée, ça. Je pense que cette année, ce sera un autre, un des autres, comment dire, sub-goals, je pense. Et j'avais vraiment bien aimé l'idée d'avoir un tatouage unique, au final. Enfin, les autres sont uniques, mais bon, ça reste des écritures, des trucs, des machins. Mais là, vraiment, d'aller voir un artiste, un vrai artiste, et de lui dire, un peu comme t'irais voir un super designer, en lui disant, voilà mon moodboard, voilà mon projet, voilà mon truc, qu'est-ce que tu penses en faire et tout. Et il y a un échange avant, entre ce que le mec veut te faire... Et tu lui dis, ah, j'aime bien ça, mais ça j'aime moins et tout. Et j'avais trouvé ça génial, vraiment génial.